Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Adonai, Dieu d'Israël. Élohe-nous, merci pour l'œuvre, Seigneur, l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. Nous voulons te voir élevé, glorifié, magnifié, Père très saint. Nous te soumettons nos pensées, nos cœurs, nos émotions, nos sentiments. Seigneur, nous voulons que ton nom soit élevé en ces lieux. Au nom de Yeshua, te prions, Père. Amen. Voilà, tout le monde va bien? Alléluia. Ça va la sœur là-bas? Je ne t'ai pas vu hier. Oui, derrière. À côté. Oui, non, devant. Clara, merci. Devant toi, Clara, il y a une sœur. Devant. Voilà. Ça va, tu étais là hier? Non, c'est la première fois? D'accord. Tu as suivi l'enseignement à la maison? D'accord. Et le frère aussi? C'est la première fois que tu viens? D'accord. Vous êtes ensemble, hein? D'accord. Donc vous avez suivi depuis mardi? Un peu. D'accord. Ok. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Ok. Des questions? Ça a été sur la route? Ouais, 1h30. Waouh. Il n'y a pas de problème de train ce soir? Si. À partir de 23h. D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous étiez là, juste deux secondes. Vous étiez là hier? Avant-hier non plus? Pourquoi? Tu es? Ah, tu es à Reims? Ok. Ah bon? Depuis quand? D'accord, d'accord. Gloire à Dieu. Je voudrais juste, avant que tu me parles, les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, vous êtes là? Vous savez qu'il y a une grande mission à Abidjan, là. Alléluia. N'est-ce pas? Et, On part avec combien de personnes déjà? 24? 24 personnes d'Île-de-France, de France, ouais. Et donc il y a 23 d'autres qui arrivent de, c'est pas sûr. Voilà, quelques-uns vont venir de Polynésie. Donc on a besoin de vos prières, hein, parce que c'est, voilà, gloire à Dieu. Oui, frère. Ma question en fait c'est pour que vous précisez au niveau des langages, parce que dans Genèse 10. Au verset 5, il est dit « De ceux-là furent divisées les îles des nations selon leur terre, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre les nations. » Donc ici, on nous dit que chacun selon sa langue. Mais plus loin dans Genèse 11, dès le verset 1, on dit « Alors toute la terre avec un même langage et une parole. » Et justement, c'est ce langage que le Seigneur a confondu. Par contre, dans le chapitre 10 au verset 5, on dit « Chacun avec sa langue. » Oui, hier j'en ai parlé rapidement, je pense que tu n'as pas suivi. En fait, dans Genèse 10, là c'est le résumé, tu vois, c'est le résumé tout simplement, de ce qui s'est passé dans Genèse 11. Parce que quand Moïse a écrit ce livre, il avait déjà toutes les informations concernant l'histoire, n'est-ce pas? Donc il a fait un résumé dans le chapitre 10, et tu remarqueras que dans le chapitre 11, dans le chapitre 10, pardon, plus loin, on va faire encore une répétition. Il y aura une répétition sur Noé, sur sa descendance. Donc, c'est en même temps un livre historique, Genèse. Voilà. Mais la confusion linguistique a commencé dans Genèse 11, lorsque le Seigneur est descendu pour confondre leur projet, leur vision et surtout leur mode d'expression. Mais avant, ils avaient tous le même langage. Voilà. Donc, Genèse 10, quand tu lis ce passage-là, donc ça, c'est après Genèse 11. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui. Guylaine, il y a la sœur. Ouais. J'ai une question. Dans Genèse 11, au verset 9, il est dit, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre
Et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Par contre, au verset, le chapitre 11 toujours, au verset 4, il dit, après puis il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux et faisons-nous un nom de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Ils savaient déjà qu'ils allaient être dispersés ou pas? En fait, ils le savaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient être dispersés par le Seigneur, mais ils savaient que Dieu était, il avait dit à Adam, multipliez, remplissez la terre, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, dès le départ, voulait que la terre soit remplie. Et eux, ils ne voulaient pas cette vision-là. Voilà. Donc ils étaient contre la parole du Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est sur Exode. Exode 6, je vais le lire. Hein. D'accord. C'est un rapport avec le message. Je crois que oui. Tu crois, hein? Oui. D'accord. Dieu parla encore à Moïse et dit, « Je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mm-hmm. » Mais sous mon nom de Yahweh, je ne me suis pas révélé à eux. Voilà. Ok. J'aimerais savoir... Pourquoi il dit ça? Voilà, parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce que... Oui. Il est Dieu, il est Tout-Puissant, mais en fait... Le nom de Abraham l'avait pas reçu, oui. La révélation sur le nom de la révélation qu'il y a, oui. Dans le nom de Yeshua. D'accord. De Yahweh. D'accord. Voilà. Il s'est révélé comme le Tout-Puissant. Oui. Pas sous le nom de Yahweh. Non. Et après, est-ce qu'il s'est révélé à lui après? À Moïse. À Moïse. Oui. Parce que Moïse lui pose la question, quel est ton nom? D'accord. Mm-hmm. À Abraham, le Seigneur se révélait comme étant le Dieu Tout-Puissant. Il le dit dans Genèse 17. Hein, je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Sois intègre et marche droitement devant ma face, d'accord. Il le dira. Mm-hmm. Une autre question? Ça va, tout le monde a compris? Ah ouais, là, Serge. Ma question est Zacharie 5. En fait, la femme de Zacharie 5 est la femme de Apocalypse 17. Mm-hmm. J'ai compris, enfin, je vais vous expliquer comment j'ai vu des choses. En fait, c'est une femme qui a créé un système. Et le système en question, c'est nous qui sommes en train de construire leur bâtiment, en fait. Donc, ils sont en train de nous escroquer par rapport à Eva, en fait, parce que quand je vis les Eva... Ok, ben, je comprends. Ouais, ouais. En fait, dans Zacharie 5, on en a parlé hier. Ouais. On nous parle d'une femme qui est assise sur l'Epha, hein, un Epha, tout ça là. Et l'Epha, à l'époque, était utilisé. Donc, c'est une unité de mesure. Et cette unité de mesure était utilisée pour essentiellement arnaquer les gens. D'accord? Donc, cette femme qui est assise dessus, on nous dit que c'est l'iniquité d'Israël. Donc, c'est la même femme dont il est question dans Apocalypse 17. C'est la Babylone religieuse. C'est la religion que l'homme a mis en place. Mais en fait, ce système-là, le système religieux, c'est l'ennemi qui l'a mis en place. Et ils utilisent maintenant cette entité féminine qui, à la base, est un démon au service de l'ennemi. Tu vois? Parce que ce sont les démons, Satan derrière, bien sûr. C'est le diable qui est à la base de toutes les religions qui existent, à part, bien sûr, la religion chrétienne. Mais pas la religion chrétienne selon les hommes, parce que le mot religion est aussi un mot biblique. Hein. Religion veut dire simplement relier, ce qui relie les gens. La vraie religion, selon Jacques, consiste à aider les orphelins. On est d'accord? Donc voilà. Maintenant, les autres religions, là, c'est pas Dieu qui l'a créé, et c'est l'ennemi. Et il se sert notamment de cette dame-là. Pour dépouiller, en fait. Pour dépouiller les gens. Oui, tout à fait. Cette déesse. Voilà. On la voit comme la reine du ciel chez les juifs dans Jérémie 7. On la voit comme Marie, la mère de Dieu, chez les catholiques. Et comme la dîme aussi, j'ai vu en 585, la dîme c'était obligatoire. Tu ne payes pas tes morts, ou bien on va te mettre dans la prison. Oui, tout à fait, la dîme en France, hein, bien sûr. Oui. Notamment dans l'Empire romain, oui. Bien sûr, tout à fait. Excusez-moi. Apocalypse 13:8, c'est dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de la fondation du monde. Mm-hmm. Frère, là, je suis troublé. Tu es troublé? Oui. Il y a de quoi être troublé. Je peux te comprendre. Il est dit ici que
ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde, ben, s'étonneront en voyant la bête et ils vont bien sûr l'adorer, la bête, l'antichrist. Alors, il y en a qui vont se servir de ce passage pour dire, voyez, il y a bien, bel et bien, la double prédestination, c'est-à-dire Dieu, selon eux, aurait destiné certaines personnes à la damnation, donc à la mort éternelle, le feu, le lac de feu, et d'autres à la vie éternelle. Et présenter Dieu comme ça, présenter les choses comme ça, c'est faire Dieu menteur, et c'est aussi dire aux gens que Dieu est méchant. Parce que comment ce Dieu d'amour, parce qu'il est soi-disant souverain, parce qu'il est souverain, il va, n'est-ce pas, destiner certaines personnes qui n'ont rien voulu, rien cherché, à aller à souffrir éternellement dans un lac de feu et d'autres au ciel. Non, ce n'est pas ça. Je vous ai donné l'exemple hier, enfin avant-hier, je crois. Je vous ai parlé de ce DVD. D'accord ? Donc, le match de foot, on va dire en 98, il y a eu la Coupe du Monde en France. La France a remporté la Coupe, hein, donc voilà, contre le Brésil. Et imaginez à cette période-là, s'il y avait, on va dire, un monsieur qui était dans le coma depuis 97. Et un an après, donc, lors du mondial, la France a remporté la coupe. Et des années après, 10 ans après, il sort du coma et puis on lui met ce DVD. Et il regarde. Pour lui, le match se joue. Hein? Voilà. Mais pour celui qui a mis le DVD, le match a déjà été joué parce que c'est le passé. Mais si on ne lui dit pas à ce monsieur qui sort du coma que ce match, le match qu'il regarde, a déjà été remporté par la France, ben, si la France est menée, hein, par exemple, pendant la première mi-temps, le gars, il va s'exciter, il peut même piquer une crise cardiaque parce qu'il va croire que la France va perdre parce qu'il est français. Vous voyez ? Il va s'exciter, mais pour lui, c'est le passé, le présent. Mais pour celui qui a mis le DVD, c'est déjà le passé. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est-à-dire, Dieu savait d'avance, avant de tout créer, qui allait accepter le plan du salut et qui allait le refuser. C'est pour cela que ce que nous vivons, nous, présentement, c'est le passé de Dieu, déjà. Pour nous, c'est le présent, on s'excite. Mais Dieu, lui, a déjà le DVD. Et je vous ai dit que le DVD, c'est ce livre-là. Parce que nous savons déjà à l'avance que le diable va faire de la prison pendant 1000 ans. On le sait, c'est écrit. Donc, nous savons déjà la finalité du monde. Tout est déjà là-dedans. Donc, pour Dieu, lui, il est assis. On n'a pas dit que Dieu est debout sur le trône. Il est assis. Donc, il a déjà tout accompli. C'est nous qui nous agitons, nous marchons, nous courons, tout ça. Là, parce que, voilà, même le diable, il est coincé dans le présent. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, pour Dieu, tout ça là, c'est déjà fini. C'est déjà, c'est pour Dieu, Dieu est hors du temps. C'est nous là qui nous agitons tout ça là. Parce que c'est le passé pour Dieu maintenant, ce temps-ci. Jusqu'à la destruction de la terre, pour Dieu, c'est le passé. Vous comprenez un peu? C'est ça en fait. Bon, on a du mal avec la cabeça. Hein. On ne comprend pas déjà pour comprendre l'univers. Attendez, on vous dit que nous ne pouvons observer que 10% de l'univers. D'accord? Et 90%, on ne peut pas observer tout ça. C'est pas possible, c'est inobservable. Alors dans le 10% observable, juste 10% observable, nous ne pouvons réellement observer que 5%. Parce que 95% de 10% observés de l'univers, c'est de la matière noire. La matière la plus importante de l'univers qui est invisible. Et on ne peut réellement voir que le 5% du 10% observable. Et dans ce 5% observable, du 10% observable, et nous avons toutes les galaxies que nous voyons là. Et la nôtre, c'est la Voie lactée. Elle compte entre 150 et 400 milliards d'étoiles qui sont des soleils autour desquels orbitent des planètes comme la nôtre. Et dans ce 5% observable, du 10% observable, nous avons des milliards et des milliards de galaxies comme la nôtre. La lumière du soleil met 100 milliards d'années lumière pour traverser notre galaxie. 100 milliards d'années lumière, c'est impensable, c'est inimaginable. Vous voyez? Donc, c'est énorme. Donc, notre soleil est 900 fois plus grand que la Terre. Et y a le soleil le plus grand fait plus de 100 000 fois plus grand que notre soleil à nous.
Et maintenant, Dieu, dans Psaume 147, il dit qu'il tient, qu'il a donné à toutes les étoiles de l'ensemble de l'univers. À chacune, Dieu leur a donné un nom. Et il les compte. Et il tient tout l'univers comme ça dans sa main, comme ça. Alléluia. C'est. Bon. Et la terre par rapport à l'univers est comme un grain de sable. Vous avez un grain de sable ici, et de l'autre côté, vous avez tout le sable du monde. Là, c'est l'univers, et là, le grain de sable, c'est notre terre. Et maintenant, l'univers, donc tous ces grains de sable, par rapport au ciel des cieux où Dieu règne. C'est comme le grain de sable, tu coupes ça par plusieurs fois, hein, tu coupes ça par mille, je sais pas, 2000, 3000, 4000 fois. D'un côté, là, c'est ce petit gros grain de sable, c'est l'univers, et de l'autre, on ne peut même pas compter, on ne peut pas calculer, on ne peut pas compter, c'est l'univers, c'est les cieux. Et Dieu dit dans la Bible, Salomon dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de Dieu tellement qu'il est grand. Et c'est ce Dieu-là, à cause de toi, à cause de moi, à cause de l'amour qu'il a pour toi, chaque seconde, son cœur bat pour toi, pour moi. Et ce Dieu-là dit, ok, je veux moi le Tout-Puissant dont la création ne peut contenir, dont les solutions ne peuvent contenir la grandeur. Moi, Tout-Puissant, je veux devenir un petit embryon, un petit fœtus. Je veux rester confiné dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. J'attends juste pour devenir homme avec la puissance de mon esprit. Je veux vaincre le diable et donner à tous les humains qui sont tellement faiblards, tellement fatigués, tellement pleutres. Je veux leur donner l'onction pour qu'ils aillent maintenant chasser le diable, chasser la sirène des eaux, la reine du ciel. Alléluia! Ouh, Jesus Christ! C'est pour cela que quand il était dans la barque, il pouvait se lever et dire, va, calme-toi. Quand on dit vent, si on lit ça en français, on va pas comprendre. Mais si on lit ça en hébreu ou en araméen, c'est yam. Yam, c'est vent. C'est l'araméen, yam. Et yam, c'est une divinité, c'est un démon. Et chez les Grecs, c'est qui? Le démon du vent. Non. Éol. D'accord? Éol, ça donnait éolien, éolienne. Les hélices là. D'accord? Eh ben, c'est le dieu du vent chez les Grecs. Eh ben, quand Jésus a dit, va, calme-toi, il s'est adressé à ce démon-là. Ça, c'est une autre histoire, frères et sœurs. Ouh, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Jésus? Il est magnifique. Amen. Il mérite la gloire. Ah oui. Donc, pendant qu'il naviguait, le démon grec, Éole, tout ça là, hein, cette divinité adorée par les Grecs, il s'est dit, bon, je veux m'amuser un peu, ce démon, je veux m'amuser un peu avec les apôtres, là, pendant que leur maître dort. Là. Mais est-ce qu'il n'a pas compris? L'homme, Yeshua dormait, mais l'homme Dieu, Yeshua Dieu, il a dit dans Psaume, celui qui garde Israël, ne dort ni ne... Il pouvait encore s'amuser avec les apôtres parce qu'il n'avait pas encore reçu l'onction véritable. Ah oui, je vous dis. Mais quand l'onction de l'esprit est descendue le jour de la Pentecôte, ça, c'était une autre histoire. Bon, il faut qu'on enseigne parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Une dernière question. On va donner le micro comme il y a des frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux. Merci. En fait, on parlait de l'élection. En fait, par rapport à ce qu'il disait le frère. L'élection, ouais. Et donc, il y a des personnes qui sont élues. Oui. Et il y a des personnes, comme la parole dit, qu'il y a des personnes qui sont nées et qui viennent du malin. Mm-hmm. Et en fait, dans Marc 12, au verset 22, il dit « Car il s'élèvera des faux Christs et des faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles pour séduire même les élus, s'il était possible. Mm-hmm. » Et il souligne bien « s'il était possible. Mm-hmm. Mais soyez sur vos gardes, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Mm-hmm. » Ça veut dire que ceux qui sont déjà sauvés, quoi qu'il arrive, ils sont sauvés. Ah. Mais on doit rester sur nos gardes parce que nous, on ne sait pas, en fait. Ce que les gens qui enseignent « sauver une fois, sauver pour toujours » aussi utilisent comme argument. Mm.
D'accord? Et regarde. Tu vas vérifier toi-même. Tu as Internet sur ton portable? Ouais. Prends Matthieu 24. Sur le... Donne-moi ce... Tu as Internet là? Je peux? Matthieu 24. C'est sur non, c'est, tu vas pas lire là-dessus. On va aller vérifier le grec. Tu vas voir pour pas que l'on dise c'est moi qui ai dit ça. Vous aimez la parole, hein? Wow. On aime bien toutes ces questions là. Alors j'ai eu une vision ce matin là, ça m'a beaucoup tout encouragé. Je vais vous en parler comme ça, ça va aussi vous encourager. Alors, Matthieu 24, à partir du verset 24. Car il se levera de faux Christ et faux prophètes, il fera produire des miracles, au point de se dire s'il est possible. Alors, on va cliquer sur possible. On va vérifier le mot grec. Ouais. Capable, puissant, fort, puissant en richesse et influence, fort dans l'âme. Supporter calamité et épreuve avec patience, fort dans la vertu chrétienne, être capable, puissant, qui excelle dans quelque chose, ayant du pouvoir. Donc, en aucun cas, on a ce mot grec, n'est-ce pas, dunatos, a été traduit par impossible. C'est pour cela, quand on veut aussi, on veut enseigner la doctrine, si on veut asseoir les gens dans la doctrine, on ne demande pas forcément, il faut parler le grec, l'hébreu, tout ça, mais il faut avoir quand même une base. D'accord? Parce que si on n'a pas une base, on va... Parce que ceux qui enseignent des hérésies, là, ils vont... Pierre dit, Jacques dit qu'ils vont être sévèrement jugés. Parce que mal enseigner quelqu'un, si on enseigne mal quelqu'un, on le déforme. Il est beaucoup plus facile d'amener quelqu'un, enfin d'amener, c'est pas nous qui amenons les gens au Seigneur, c'est lui qui les traîne, qui les attire. Il est beaucoup plus facile d'enseigner à un inconverti la parole du Seigneur, parce que c'est comme une éponge, il va recevoir plus facilement la parole que quelqu'un dans le crâne duquel on a mis de fausses doctrines. Parce qu'il faut d'abord commencer par désapprendre pour apprendre. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, les traducteurs ont choisi possible parce qu'ils ne savaient pas trop comment traduire ici. Capable. En fait, en gros... Le Seigneur voulait dire, c'est pas à toi, que ces faux prophètes, ces faux docteurs n'ont pas les capacités pour détruire les personnes que le Seigneur a gardées. Il a dit le Seigneur, personne ne peut ravir quelqu'un de ma main. D'accord? Donc, personne n'est capable, ni Satan, ni que ce soit, de sortir quelqu'un d'entre les mains du Seigneur. Donc, les élus notamment. Tu vois? Voilà. Donc, ils ne peuvent pas. Par contre, le même Seigneur a dit que il y a des gens qui vont être séduits. C'est-à-dire, ils vont se laisser eux-mêmes aussi séduire parce qu'ils vont le vouloir, parce que tu as la volonté. Est-ce que c'est par rapport à Hébreux 6 ? Par rapport à Hébreux 6, ceux qui ont goûté la parole, tout ça, ben voilà, c'est impossible. Voilà. Donc, mais là, par rapport à Matthieu 24. Le Seigneur n'a pas dit qu'il est impossible que quelqu'un qui est sauvé et qui va, n'est-ce pas, faire n'importe quoi et qui va pécher volontairement, qu'il est impossible qu'il ne soit déraciné de sa présence. C'est faux. Parce qu'il a dit à l'église de Laodicée, il dit, parce que tu es ni froid ni chaud, je te vomirai. Voilà. D'accord? C'est pour cela qu'il faut vraiment, j'insiste encore, comme les deux jeunes, là, tu vois, ils aiment la parole. Ils ont ce courage, cette volonté d'enseigner, mais ce n'est pas de l'orgueil quand je dis ça. Les gens doivent s'asseoir et être enseignés. C'est important. D'accord? On ne s'improvise pas enseignant. Il faut vraiment...
il faut aussi avoir fait des erreurs parce que nous tous, on est passé par, on n'a pas tout appris, attention. Mais le chemin est long. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention avec l'enseignement. Dernière question. C'est la question d'un internaute, en fait, qui a été posée par... Comment envoyer un email, c'est ça? Oui. OK. Après la fin du monde, ce sera la fin de l'âge du règne du péché et de Satan. Il y aura l'instauration du royaume messianique de 1000 ans. On vivra un autre âge. Après la fin du monde. Mm-hmm. Ce sera la fin de l'âge du règne du péché et de Satan. La fin du monde égale la fin du règne du péché. C'est la même chose. D'accord. Voilà. Parce que la fin du monde, comme on l'a vu, regardez, nous sommes dans... Merci pour celui qui m'a amené le feutre, là, au sel. Donc, nous avons ici une ligne continue. Je veux dire, c'est la ligne temporelle, la ligne du temps. D'accord? Et donc, on sait tous que le temps est linéaire. Donc, voilà. Donc, ici, le premier âge, c'est l'âge de l'innocence qui est en même temps l'âge de l'éternité. Donc, ici, c'est l'éternité. Et Adam a été créé ici. On est d'accord? Ensuite, vous avez le premier âge. Âge veut dire temps, n'est-ce pas? Période, voilà. Et là, l'homme a été créé. Et là, à la chute, donc, il y a comme une parenthèse. C'est comme si, ben, effectivement, l'homme sort de l'éternité, de la vie éternelle, et il devient mortel. D'accord? Et là, ben, c'est le deuxième âge, l'âge de la... de l'introduction du péché dans le monde, l'âge de la, voilà, du remplacement. Adam était remplacé par Satan. Satan devient le dieu de ce siècle. Il devient le gouverneur de ce monde. Voilà. Donc maintenant, à partir de cet âge-là, la chute de l'homme, jusqu'au retour visible du Machia, hein, ce temps-là, cet âge-là, le plus long, hein, des âges courts ou encore limités ou de temps limité par rapport à l'éternité. Donc, c'est l'âge du règne du péché, de la domination de la mort, de Satan. Eh bien, ce temps-là, d'ici à là, comprime les hommes. Donc, les hommes meurent. D'accord? Voilà. Maintenant, quand le Seigneur va revenir, ici, ça va être la fin du monde. Monde ou âge. D'accord? On a compris, hein? Donc, la fin du monde, c'est ici, quand Yeshua va revenir. Mais le temps continue. Et ici, c'est un autre âge. Et on va en parler ce soir. D'accord? Donc la fin de l'âge actuel, celui du péché, c'est la fin du monde. D'accord. Voilà. C'est la fin du règne du péché. Et en fait, il poursuit en disant que normalement, il y a l'instauration du royaume messianique de 1000 ans, mais Satan sera relâché et va séduire de nouveau les hommes du monde alors que l'âge de son règne sera terminé. Mm-hmm. Je m'interroge. Bien sûr, l'âge de son règne sera terminé, mais il aura, n'est-ce pas, un sursis que Dieu va lui accorder, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il aura un sursis juste pour tenter les personnes qui vont accéder, qui vont rentrer dans ce royaume avec des corps normaux. Hein, on en a parlé déjà. C'est-à-dire les croyants, les personnes qui vont se convertir pendant la grande tribulation, donc après les deux parts de l'église, ces personnes-là vont rentrer dans ce royaume quand Yeshua va revenir avec l'église avec leurs corps normaux. Donc, il continuera à avoir des enfants, tout ça. Et il y aura aussi Israël qui sera converti. Tout Israël sera sauvé, nous dit la parole. Et les Juifs entreront, ces Juifs-là, entreront dans ce royaume tel qu'ils sont. Ils continueront à avoir des enfants. Et ces enfants-là, qui naîtront dans ce royaume, qui n'auront jamais connu la tentation, eh bien, il ne faudrait pas qu'ils disent au Seigneur un jour, c'est toi, tu nous as imposé la vie éternelle. Donc, il va falloir qu'ils fassent aussi le choix, comme nous autres, là. Voilà. Donc, c'est pour ça que Satan va sortir, va être libéré pour... voilà. Il va réussir à séduire beaucoup parmi ces enfants-là. C'est bon ?